qui nous dessine sur notre terre de Palestine. De Hébron jusqu'à Jénin, un mur pour nos lamentations. Pas de Roméo, pas de Juliette, non. Pas de balcon sous nos fenêtres. Même pas envie de connaître le maître d'œuvre et le maçon. Je me souviens, c'était hier. J'aurais bien partagé ma terre. J'ai tendu la main à des frères qui me l'ont coupé sans raison. Qui peut croire que l'on s'habitue à voir nos maisons abattues? Qui défonce les rues aux colons poussant les frontières? Comment apprendre à nos petits le respect et l'amour d'autrui s'ils naissent et grandissent aujourd'hui dans des prisons à ciel ouvert? Sur la chance, et pour entrer dans vos silences, renoncer à lancer des pierres. Renoncer à lancer des pierres. Il y a pourtant tant de Shoah, tant de Sabra et Shatila, de Naplouse jusqu'à Gaza, tant et tant d'appels au secours. Mais c'est aujourd'hui comme hier, peau de terre contre peau de fer, les géants contre les poussières. Faut-il croire que le monde est sourd? Leïla, je suis à Génération Palestine depuis plusieurs années. Donc Génération Palestine, bien sûr, soutient plus que jamais les Gazaouis et les Palestiniens. Que peut-on dire de ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, mercredi? Aujourd'hui, mercredi, on a encore eu de très très mauvaises nouvelles. Juste avant de venir, aujourd'hui, comme tu as pu constater, on a écrit plusieurs noms de martyrs. On avait toute une liste, il y a une liste qui est actualisée sur par exemple info.palestine.eu. Et on a écrit donc surtout le nom des enfants pour que les personnes, les passants, les manifestants puissent se rendre compte que les victimes principales sont des enfants. Comme je t'ai dit, on est à 1296 morts aujourd'hui, juste avant que je vienne à la manifestation, parce que il y a une mise à jour perpétuelle. 80% sont des civils, dont la moitié sont des enfants. Donc on peut vraiment se rendre compte que c'est un appareil de guerre étatique contre une population. Alors sur Bordeaux, on a pu constater sur les premières manifestations des dissensions au sein des soutiens à la Palestine. Pourquoi ces dissensions et où est-ce que ça en est aujourd'hui? Alors d'après ce que j'ai compris, c'est des dissensions qui remontent à plusieurs années. C'est assez vieux, c'est ancré. Moi j'aime pas du tout rentrer dans la désunion et cracher sur les autres ou quoi. Tout ce que je sais, c'est que voilà, nous on travaille avec le comité Action Palestine, avec qui voilà, on a des réunions, on a des projets en commun, ça se passe très bien. On partage beaucoup d'opinions, beaucoup d'idées ensemble. Jusqu'à présent, voilà, on a toujours essayé de parler avec toutes les personnes de bonne volonté, que ce soit des partis politiques, des associations, des bénévoles, des individus. On est vraiment ouvert pour travailler avec tout le monde, et tout ce que je peux dire, c'est que ça m'énerve, que je regrette énormément de voir ça, et de toute manière ça dessert plus la cause qu'autre chose. Après je sais, sans citer de nom ou quoi, qu'il y a certaines organisations qui sont pour moi
personnellement, pas forcément en tant que GP, mais qui voilà, sont plus là pour présenter leurs idées, leurs programmes, plutôt que pour défendre la Palestine. Je vois que d'un côté, on a vraiment un soutien qui est populaire. Il y a des jeunes, il y a des familles, il y a des, voilà, il y a des jeunes aussi issus de l'immigration. On a vraiment de tout. Et de l'autre côté, voilà, on a peut-être des personnes d'autres générations qui sont là visiblement pour d'autres combats. Et je pense un combat beaucoup plus politique, parce que c'est un combat qui a plutôt tendance à être transposé en France. On parle de syndicats, on parle de forces ouvrières et ce genre de choses. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Enfin, j'ai plein d'idées que je partage avec eux. Mais on est là pour la Palestine et il faut peut-être pas l'oublier. Donc voilà. Mais c'est pas forcément. Voilà, c'est juste pour donner un peu mon avis. Alors Génération Palestine, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est donc une association qui rassemble essentiellement des jeunes, comme son nom l'indique. Oui, c'est. Oui. Je sais qu'à Bordeaux et ailleurs, c'est une association internationale maintenant qui fait beaucoup de choses, et notamment à Bordeaux, vous êtes très actif. Vous aviez vocation, je ne sais pas si c'est toujours le cas, à amener des jeunes en Cisjordanie pour qu'ils rencontrent des Palestiniens, pour qu'ils puissent vivre au quotidien avec les Palestiniens, pour connaître un peu ce quotidien difficile. Est-ce que ce travail-là d'envoyer des jeunes en Palestine a été interrompu par les derniers événements ? Pour l'instant, ça s'est fait et ça continuera à se faire. On a des partenaires voilà, très solides en Cisjordanie, que ce soit voilà, dans différents domaines, hein, que ce soit l'éducation, l'industrie, l'agroalimentaire, l'agriculture. Ils sont toujours là pour nous recevoir en toute sécurité et nous faire découvrir la vraie Palestine, la vraie histoire. Donc il y a plusieurs thématiques qui sont abordées, il y a des problématiques qui sont présentées, les jeunes vont là-bas, ils reçoivent une formation avant de partir. Ils vont recevoir une formation historique et aussi une formation sécuritaire. On va leur expliquer comment préparer leur voyage, voilà, que ce soit avant par rapport à leur information sur Internet, leur comportement, l'attitude à adopter. Voilà, ils sont vraiment formés, on n'en voit pas des jeunes comme ça dans la nature. Ils sont vraiment bien encadrés et il y a toujours eu de retours très très positifs. Il n'y a jamais eu d'incident majeur à déplorer. On n'a jamais eu de prestations, de choses comme ça. Après, il arrive régulièrement que des jeunes soient bloqués en France. On ne parle même pas d'Israël. Donc là aussi, on voit la collaboration de l'État français dans ça. C'est voilà, ils sont blacklistés, eux-mêmes ne savent pas pourquoi. Ce n'est pas forcément des jeunes qui ont pris part à des manifestations de manière très active. Ils ont un casier judiciaire vierge. La plupart du temps, c'est des étudiants, des jeunes, voilà, des jeunes diplômés, des jeunes actifs. Et voilà, ils sont blacklistés, on ne sait pas pourquoi. Et c'est vrai que par contre, il peut y avoir des difficultés, parfois au départ, des aéroports français. Pour terminer, parce que je ne vais pas prendre trop de temps, et puis je crois que les gens pourront aller se renseigner après sur ce qui se passe à Gaza, justement, notamment en ce moment. Comment les jeunes de Bordeaux peuvent vous retrouver s'ils veulent vous rejoindre ? Alors très simplement Facebook, parce que vu que tu me parles des jeunes, donc Génération Palestine Gironde, et voilà, vous pouvez nous laisser des messages, nous envoyer des emails, on vous répondra. Donc là c'est vrai que cet été, on se regroupe et on organise des choses dans l'urgence par rapport voilà, à ce qui se passe actuellement, mais il va falloir voir au-delà de ça, c'est-à-dire que voilà, on espère qu'il va y avoir un cessez-le-feu, que des accords justes et durables vont pouvoir être trouvés, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Or, si ce n'est pas le cas, il faut continuer cette manifestation massive dans les rues bordelaises, continuer à informer également, parce que ce n'est pas vos médias qui vont le faire, ça c'est sûr et certain, croyez-moi. Par contre, sur le long terme, et là à partir de la rentrée, on vous donne rendez-vous comme d'habitude, on va organiser des conférences, des activités culturelles, des projections de films, de documentaires, on va faire intervenir des personnes comme on a fait tout au long de l'année. Ça marche très bien sur les campus, on a des salles municipales qui sont mises aussi à notre disposition, donc on attire toujours beaucoup de monde et évidemment on vous attend tous et pas que les jeunes. Merci beaucoup Leïla. Merci. Qui racontera notre histoire, celle qu'on cache sous le phare de Nations Unies sans mémoire, pleine de bonnes résolutions. Ce qui
qu'il nous dessine sur notre tête palestine.